Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est à OK Coral. C'est parti pour un nouveau vlog. Salut à tous, alors aujourd'hui on découvre le parc OK Coral. Alors on vlog parce que je pense que ça peut être sympa, mais après c'est pas un parc pour les grands. Ouais, il y a quelques attractions un peu sympas, mais après on vient vraiment pour Victoria parce qu'il y a beaucoup d'attractions pour les enfants et on vient vraiment pour ça. On est déjà venu dans le coin en vacances, on est passé à côté, on l'avait pas fait, mais là qu'il y a Victoria, c'est pas pareil. Voilà. Mais on n'attend pas grand chose de ce parc, mais déjà, moi je suis surpris parce que les décors sont quand même assez jolis. Ouais. C'est assez bien fait. Amé me disait, ouais, mais ça va pas être comme Disneyland Paris, il y aura pas de la musique. Mais en fait, si, il y a de la musique, il y a quand même un esprit par d'attraction. Donc, je pense qu'on va passer une bonne journée en espérant que Victoria ait pas peur des manèges parce que ça va être ses premiers manèges. Et pour l'histoire, le parc a ouvert en 66, donc ça fait 55 ans qu'il est ouvert. Et c'est mon tout premier parc d'attraction à moi quand j'étais tout petit. Je vous mets une photo là, par là ou par là. Et du coup, c'est pour ça que je voulais venir aussi pour que ça soit le premier parc d'attraction de Victoria. Allez, voilà. Allez, on est parti pour la première fois à OK Coral. Allez, on est parti pour la première attraction de Victoria. On va faire la grande roue. Attraction préférée de maman, n'est-ce pas? Ça va être génial. Mais bon, ça va. Non, ça va, elle bouge pas celle-là. Ouais. C'est pas la même qu'en Californie. On va monter là. Bon, nous on a l'habitude d'attendre. Mais un enfant d'un an et demi. Ça va, elle dit trop rien. N'a pas forcément l'habitude. Non, elle dit rien, mais. Elle comprend pas trop. Ça va, pour ça, elle est sage. Je pense qu'en fin de journée, ça sera pas la même. Yep. Hey, chérie, reste là. Non, stop, tu attends. Bon, on peut enlever le masque vu qu'on est que nous dans le truc. Et moi, je pense que c'est le bon moment de faire le point de météo. Oh non, non, sérieux. Oh putain, non, je déteste ça. Tiens là, déjà, pardon, excusez-moi. Déjà, j'ai une barbe bleue qu'elle se lève et qu'elle. Oh mon dieu, c'est horrible. Et puis, j'aime pas, hein. je suis pas à l'aise sur ce truc là. Regardez, je me tiens et tout quoi. C'est horrible. Sinon, il fait beau, hein. Voilà. Parce qu'on est dans. Ah non, on n'est plus dans le Var, on est dans les Bouches du Rhône. C'est ça? Oui, c'est ça. Tiens là. Mais sérieux. C'est bon. Non, non, franchement, ça me va pas. Bref, il fait beau, il fait 26. 24. Mais bon, parce que je suis au soleil, c'est pour ça. Oui, ben attends, ça va bouger. Et voilà, hein, je suis super ravie d'être là et on repart. C'est horrible. Je sais pas pourquoi, hein. J'adore faire les manèges, mais celui-là, il me... Ah, voilà. Bref, allez, à plus. Oui. Donne-moi le bébé si tu veux. C'est grand quand même, hein. Bah ouais, moi je vois pas trop, mais... Mais regarde! Non, elle fait que bouger. Oh là là, elle est tendue! C'est grave! Elle a trop peur! Ah ouais, c'est horrible! C'est horrible avec la tête. Mais elle a pas peur, hein. Elle est assise. Tu risques par contre d'y filer ton stress, ça oui? Et j'essaie de me garder, je vous promets que j'ai la tension à faire. Oh putain! Elle est dingue, elle est malade! J'arrive, sérieusement, je sais pas, voilà. Je sais pas du tout. Elle est malade. Mais oui, ça va doucement. Allez, on fait un tour là et c'est bon. Et déjà, on a fait plus que California Adventure. On avait fait qu'un seul tour. Là, on part pour un deuxième tour. Oh, elle a l'air aux yeux. Ah oui, oui. Mais ça va aller, non, mais. Ah non, mais je vous.
Elle a les larmes aux yeux, elle a les lunettes de soleil. Ah, mais si en plus on se fait attaquer par une guêpe, ça va pas aller. Je suis pas fan de ce malaise. Mais elle... Ah, mais elle a les larmes aux yeux. Bon, ben, on aura compris, je crois que les grandes roues, on ne le fera plus parce que. Mais je sais pas pourquoi tu pleures là, ma chérie. J'aime pas ça. Mais pourtant, ça... c'est pas forcé, hein. Non, mais bon. Tu pensais pas que. Non, je suis pas à l'aise. Tu pensais pas que tu réagirais comme ça. Putain, il y a un frelon, on va mourir. Moi, j'ai plus peur du frelon, sa mère. Mais regarde-le, il va m'attaquer. Je vois, mais. Tu as deux doigts de sauter. Oh. Bon, allez, j'étais. Ça va mieux? Ah oui, ça va mieux. Je supporte pas ce moment, s'il te plaît. Je peux faire plein de choses, hein, mais celui-là, non. Même quand ça bouge pas. Elle peut faire plein de trucs. Je crois que le pire qu'on ait fait, c'est la tour à Port Aventura, ouais, qui a plus de 100 mètres de haut, chute libre. Et. Et ça. Ça, c'est long. Mais ça, ça passe pas. Je suis en angoisse totale. Ah oui, mais t'es en angoisse de quoi? Je comprends pas en fait. Ça va sécuriser là, j'ai le poteau au milieu, y'a rien qui me tient. Non. Mais t'as pas besoin d'être tenu. Non, j'aime pas. Vraiment, hein, c'est une angoisse. Hein. C'est une angoisse, c'est ce truc, voilà. Donc la paix que t'as fait, je crée pas de ça. Oui, et puis elle a réalisé rien du tout, mais. Bon, allez. On va faire le petit train là. Ouais, allez. Allez. Bon, pour se consoler. Ouais, voilà. Il faut bien jouer aux pinces. En plus, c'est des peluches Disney. Bon, par contre, il y a énormément de monde qui n'ont pas le masque. Hein. Énormément. Mais même pas, ils l'ont en dessous. Non, ils l'ont même pas. Ils l'ont pas. Ah, d'accord. Elle a commencé. C'est pas ça que. D'accord, ok. Alors, tu veux choper qui? Là. Tu veux choper Dumbo, là, qu'il y a dessus? Ouais. Mais sois là pour voir si je suis bien positionné. Ah, il faut en plus que je me mette du bon côté. Non, mais là. Ah, là-bas. Dis-moi. Ouais, c'est bon. C'est horrible ça, tu sais. Tu sais que tu vas jouer jusqu'à pas d'heure. C'est ah, j'ai failli l'avoir. Ah, j'ai failli l'avoir. Ah, je l'aurai. Ah, je l'aurai. Et au final, t'as lâché 10 balles. Non, plus bas. Plus bas, non? Ouais, là. Ben oui. Mais le truc, c'est que quand ils arrivent en haut, il y a un à-coup et du coup, ça le fait tomber. Non, il fallait descendre plus bas. Lady avec la tête, tu l'auras jamais. Monte encore. Vas-y, viens vers moi. Là, je pense que c'est pas mal, mais. Oh! Là, je suis doublée normalement. Mais là, c'est pas mal. Ouais. Eh oui, maman, elle a loupé la peluche. Ça, je passe ma journée, je passe ça. Chacun son truc. On va enchaîner avec un petit tour de railroad. Ferme la barrière derrière toi, mais. Oh, c'est parce qu'elle risque, mais bon. Et coucou! Bon, cette fois-ci, c'est pas moi qui m'y colle, c'est Nico. Donc là, on va sur du basique. Hein. Vous allez voir, c'est du basique. Voilà! Voilà, voilà! Donc là, papa, il s'assoit même pas. Hein. Ils sont là. Coucou, Nino! Je pense que ça va être sympa. Hein, voilà.
c'est pas très hein. Bon, après je vais pas râler, mais là, il y a une casse member qui vient de parler à un client. Voilà, vous êtes la seule à m'emmerder, elle a dit. Voilà, voilà, bienvenue à Opécoral. Bref, après on compare, mais c'est pas comparable. C'est des emplois saisonniers, voilà. Et elles se sont un peu fightées, c'était sympa. Voilà. Ça me fait beaucoup rire. Allez, place au manège. Confortable. C'est pour ça. Bon, ben bien, voilà. C'était bien nul. Non, mais franchement, c'est sympa pour les enfants. Ah oui, oui, pour les enfants, c'est super sympa. Enfants bas âge, même ados. Tu vois, jusqu'à 14-15 ans, je pense que ça peut être pas mal parce qu'il y a des petites attractions à sensation. Il y a 2-3 coasters qui peuvent être sympas. Après, au-delà, il faut être honnête, le parc, c'est un petit parc, mais c'est bien. Et je crois qu'on a payé 29 € l'entrée, la journée. Et les enfants de moins d'un mètre, elles courent partout. Les enfants de moins d'un mètre ne payent pas. Mais là, on passe une bonne journée. On va se poser pour... hop, vous l'avez vu passer derrière. On passe une bonne journée. Là, on va se poser un peu pour manger un bout, surtout faire manger Victoria. Et on se retrouve pour la suite des frissons. Bon, on a mangé vraiment rapidos là, parce qu'on n'avait pas très faim, mais il fallait au moins faire manger la petite. Et on s'est arrêté ici. C'est un petit snack. Et franchement, pas cher du tout, pour ce qu'on a pris. Moi j'ai pris juste une part de pizza, mais après un sandwich style américain avec deux boissons, j'ai payé 14 €. Et après là, il y avait aussi une cafétéria. Et là c'était un genre de flunch quoi, vous prenez vos plats, vous faites légumes, viande, enfin ça c'était, c'est pas mal et au moins vous pouvez manger correctement, voilà. Là on est dans la nouvelle zone, non mais ça Victoria elle le fait pas. Ah bon? Ah non, tu l'as vu tourner? Ah non, j'ai pas ah vu. Ah non, tourner. Ça va assez vite. Hein. C'est vrai? Oui, 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 ça va vite. Mais où est-ce qu'elle est entrée? Là, on est dans la nouvelle zone, alors je vous la montre. Hein. Voilà, c'est une nouvelle zone sur le Mexique. Hein, qu'ils ont fait, j'avais vu un reportage sur YouTube, qu'ils ont fait pour le pendant le Covid. Donc, on voit que le revêtement du sol est neuf. Et il y a 2-3 attractions. Là, il y a les tasses, mais visiblement, c'est fermé. Là, il y en a un qui tourne, là, qui peut être sympa pour Victoria. Voilà, il y a quelques trucs, là. Et celui-là qui va quand même assez vite. Et là, les tipis que vous voyez derrière, c'est pas juste de la déco, c'est un hôtel, en fait. Vous pouvez dormir ici, sur place. Et du coup, ben, vous êtes dans des tipis et vous êtes sur le parc. Donc ça, ça peut être sympa. Donc voilà ce que Amélie voulait faire à Victoria. Mais papa hein. Et après, ils vont en marche arrière. Hein. Ah bon? Oh, oui. Ah, c'est bon. Allez, on oublie. Voilà. Ah, t'as le bateau pirate derrière. Enfin, c'est le bateau des... C'est la pirogue des Indiens. C'est hein. Pareil, c'est un hôtel, donc voilà, c'est une fête foraine en fait. Hein, mais c'est sympa. C'est sympa, en tout cas nous on passe un bon moment. Oui. J'avoue que Victoria est un poil petite. Hein. Ouais, c'est vrai, elle peut pas le faire. Parce qu'il y a des attractions qui sont limitées à 90 cm, elle en fait que 80, donc 81. Mais bon, on reviendra une autre fois, ou au moins on est venu et on lui a fait faire ses premiers manèges. Bon, chose un peu surprenante, hein. Il y a un mini parc aquatique dans le parc. Regardez ça. Alors ça, il faut être en maillot évidemment, mais c'est sympa, vous avez des cabines ici pour vous changer. Ben, c'est vrai qu'il fait chaud ici. Hein. Si vous avez envie de vous rafraîchir, il y a un toboggan, une piscine. Hein. Ça c'est pas mal. Quoi? Ben, le coin... aquatique là, c'est pas mal. Et juste là derrière, il y a un des trois coasters, je crois qu'il y en a trois. Et un des trois coasters, c'est le cobra ou je sais pas exactement, enfin c'est un serpent en tout cas. Et il est
hyper long, le train est hyper long, je vais vous le montrer. J'ai rarement vu un coaster avec autant de wagons. Le coup, le rendement, il est pas mal parce que vous montez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Vous montez au moins à 40, au moins 40 personnes. Mais il n'y a qu'un train. Il avance pas. Et puis même les cast members, je vais les appeler comme ça parce que je sais pas comment ils s'appellent, mais au moins vous comprenez. Mais même les cast, ils sont pas, enfin, Amé, vous en avez parlé tout à l'heure, ils sont pas formés quoi. Enfin, c'est pas, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, de toute façon. On compare ce qui est incomparable. Pas comparable. Après, c'est un parc sympa. Mais c'est un parc, voilà, comme disait Amé tout à l'heure, c'est un parc. C'est un parc très sympa, un parc familial. Ouais. Voilà. Simple et sans chichi. Ah ouais, c'est ça, c'est sans chichi. Hein. Sans... Je le mettrai dans le titre, un parc sans chichi. Ouais. Voilà. C'est vrai en plus. Mais là, tu vois, il y a des gamines de 12-14 ans qui sont parties en courant là. Ouais, viens, on va le faire, le mieux c'est devant. Voilà, donc cet âge là c'est pas mal. Je pense qu'après un peu plus grand, quand on a besoin de sensations, tout ça, on passe le chemin. C'est un peu limite. Mais non, c'est sympa. Oh les gars, vous voulez la blague de la journée? La blague, hein? Vous êtes prêts? Je suis pas sûre que vous êtes prêts. Franchement, c'est la blague. Eh, dis-nous, c'est la blague de la journée, on ne voit plus. Ah, c'est la blague. C'est la blague. J'ai enlevé mon masque, je vous le dis, je l'ai là. Il y a une attraction type bûche. Voilà, type bûche. L'attraction s'appelle Splash Mountain. Je vous montre ça. Non, mais la blague, quoi. La grosse blague. Non, mais j'en reviens pas quand même. Il y a Splash Mountain. Alors évidemment on le fait pas. Oui, je tire la poussette en même temps alors. Parce que là on est dans la partie qui est vraiment restée dans son jus. C'est encore du gravier, de la terre. Je pense que c'est une des plus vieilles parties du parc. Et oui, d'ailleurs il y a un manège sur lequel je vous ai mis la photo là. Qui est là donc. C'est la partie du parc. La première partie, quand ça a ouvert, c'était comme ça. Et oui, non, on ne fait pas Splash Mountain parce que ben, ça nécessite de le faire seul, vu qu'on ne peut pas faire avec Victoria et que c'est pas intéressant de faire l'attraction tout seul, quoi. Donc, c'est pas grave. On n'est vraiment pas venu pour faire les attractions, nous. On est vraiment venu pour la petite, donc c'est pas grave. Alors ? Bah, c'est pas marqué, donc c'est un peu nul en fait. Parce que là en face il y a un spectacle qui aurait pu être sympa à voir, même pour Victoria, avec des chevaux et tout, des cow-boys. Il n'y a pas marqué l'horaire, alors sur le plan il n'y a pas marqué. Et là c'est pas marqué non plus, donc je sais pas comment faire. On va voir. Tout à l'heure il y était parce que j'ai vu des gens assis sur les gradins. Je vais demander à la dame de la boutique. On va demander à la dame de la boutique, mais à mon avis elle sait pas. Bon, visiblement c'est à 14h, ouais. Donc on va aller faire un petit carrousel là. Avec Victoria, si on peut le faire. Je pense que oui. Et après on va faire le spectacle qui est juste là à 14h. Voilà le petit carrousel que nous allons faire. Bon, c'était trop sympa de refaire cette attraction presque plus de 35 ans après. C'était... Après, elle est nulle l'attraction, mais non. C'est sympa. Amé, tu t'es régalé? Ouais, c'est cool. Par contre, j'étais surpris par le départ. Mais je les ai vus, mais ils bougent pas trop, quoi. Moi je l'ai vu. Il dit pas attention au départ ni rien, enfin, il dit rien et c'est parti de suite. Moi je tenais pas la petite. Alors, c'est pas que ça soit violent, attends. C'est pas que ça soit violent, mais... J'étais surpris. Voilà, enfin, on va voir si on peut faire le spectacle. Allez, on est en place pour le spectacle. C'est le spectacle Far West, je suppose, mais je sais pas trop.
à quoi m'attendre. On va voir, je vais vous le filmer. En tout cas, la scène est bien thématisée, c'est joli. Bon, c'est un petit spectacle. Moi, je vais expliquer, normalement, il m'a dit sympathique, ça fait passer le temps. Mais bon, un air timé. Mais... Allez, merci. D'après, ils sont pas à la hauteur, mais il faut pas se mesurer. Au moins, on peut dire qu'il y a une animation. Voilà. Il y a une animation. Il y a des coups de feu, il y a des courses-poursuites avec les chevaux. J'avais peur pour Victoria, moi, qu'elle ait peur ou quoi, qu'elle soit surprise par les détonations, mais rien du tout. Donc on sait que pour les feux d'artifice, par exemple, il n'y a aucun risque. Elle n'aura pas peur. Voilà, il y a une deuxième coaster familiale. Mais je pense qu'il doit y avoir des bonnes petites sensations quand même. Il y a plus de vitesse que sur celui du serpent que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un train de la mine classique, mais j'attends parce que je sais pas si à un moment donné il repart pas en marche arrière quand même. Je vous le filme. Et je crois que j'avais raison. Donc là, pour le coup, c'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce qu'en fait le parcours est court, mais vous faites deux fois en marche avant et une troisième fois vous le faites en marche arrière. Et ça c'est pas mal, pas mal, un bon point. Bon là je vais essayer de vous filmer le dernier coaster qui est pour moi le plus intéressant. Il est à 25 mètres de haut quand même et il propose deux sortes d'assises. Deux sortes d'assises. Vous avez la possibilité d'être devant sur des chevaux, comme si vous étiez sur une moto, sur des chevaux, à califourchon. Et vous pouvez être derrière sur les calèches. Ça me fait penser un peu au coaster de Hagrid. Et je vais vous le filmer. Parce que pour le coup, il est intéressant sûr. Alors j'aurai pas le coaster en entier. Mais déjà, on voit quand même une bonne partie. Il y a une bonne descente. Ah, il y a de la vitesse quand même. Ouais, il y a de la vitesse. Voilà.
Je le ferai quand on reviendra. Parce que là, je veux le faire avec Amélie, je veux pas le faire tout seul. Mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ah ben voilà, vous avez un siège test. Pour si jamais vous avez peur de ne pas rentrer, de ne pas fermer. Voilà, vous avez un siège test. Donc sur les chevaux, vous êtes assis comme ça. Voilà. Et derrière, pour les calèches, ben c'est un siège classique avec une barre de sécurité qui vient devant. Mais pas mal. Celui-là, il l'a testé. La prochaine fois qu'on viendra. Je me rappelle, il y avait un truc comme ça, du genre à Port-Aventura. Je l'avais fait, je crois, avec mon frère. Vous tournez et hop, vous faites des dérapages de temps en temps. C'est assez sympa. Là, ça s'appelle Alligator Island. Ouais, Alligator Island. Bon, on a fini la journée à Hockey Corral. On va rentrer à l'hôtel, là. Suivant l'heure, soit on va aller à la piscine, soit pas du tout. En tout cas, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Hein, et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties des vidéos le samedi. À 9h. Oui, et donc à samedi prochain pour la 4e fois. Bye bye, c'était Amé. Et Ninou, et on vous fait des bisous. Bye.